Le second article concerne la définition du domicile légal. Évidemment, je pense qu'on a voulu un petit peu se rafraîchir dans cette définition-là, qui datait de beaucoup d'années. Puis maintenant, la réalité fait en sorte que, bon, les enfants vivant avec 50% avec la mère, 50% le père, bon, fallait, je pense, revoir la définition de domicile légal, ce qui va être beaucoup plus simple après ça pour déterminer les lieux de résidence là, pour les enfants, particulièrement dans les cas des libérations. Donc, je pense que ça devenait à propos là, de revoir cet article-là sur la définition du domicile légal.